Yes, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh oui, je suis de retour avec des... Bah oui, je pense que je ne savais plus comment faire depuis au moins plus d'une année. Hein. En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages que vous m'avez donnés. Ah, eh oui, je l'ai enfin, mon diplôme, après 4 ans d'études, quoi, même 5 ans, quoi. Mais je suis content, quoi. Ça me manque même maintenant d'aller à l'école, quoi. Je me suis fait plein d'amis super copains là-bas. Du reste, on se revoit toujours. Pour l'instant, pas parce que c'est les vacances, mais en tout cas, je suis content. Bon, ben, pour, hein, je vais pas vous cacher, je suis sur la Uberman, la nouvelle, là. La bêta 2, ça sera la dernière hein, avant le nouveau 2025 de Farming. Et oui, alors, je voulais vous sortir cette vidéo, alors, on fait un peu de moisson parce que, j'avais prévu tout et je me suis planté, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je n'avais pas le son, je n'avais pas arrivé à le montage, à le faire passer. Désolé pour le retard, mais en tout cas, je suis content de vous retrouver. On verra, je vais quand même tout vous montrer. On va pas faire que de la moisson aujourd'hui. Hein, on est lundi, il fait très très chaud. Très très chaud, je vais vous dire, j'ai super au travail. Mais on va faire deux ou trois petits trucs avancés. Je sais que j'ai vu des informations quand je suis rentré, quoi. J'ai reçu la notification. Je crois qu'elle sort ce week-end pour tout le monde, la map. Et vous verrez tout au long cette série. Alors, normalement, c'est vrai qu'il y en a qui disent que oui, les champs. C'est vrai que les champs n'ont pas beaucoup changé. Mais je ne pourrais pas louper ça. Parce qu'ils ont rajouté plein de trucs. Vous verrez tout au long de cette série. Je voulais partir sur une autre map qui est tirée un peu de la Uberman. C'est vrai que les champs ont été fabuleux, je crois que c'est mon petit Vincent qui l'avait dit, il l'a même présenté je crois. Tu vois, je salue toute ma petite famille, hein. Et oui, ça fait longtemps, je suis désolé les gars, j'ai pas pu de temps en temps passer sur vos lives, mais il fallait absolument que j'aie ce diplôme, je l'ai eu, enfin. Oh, bah voilà, j'ai en train d'écraser mes cultures. Alors, vous voyez que c'est un grand champ ici. Je vais pas trop avancer comme je l'ai dit parce que vu que la finale je crois que ça sera ce week-end, il faudra sûrement que je recommence parce que j'ai encore vu la vidéo que dernièrement qu'il a sorti je crois hier ou ce week-end là, ils ont rajouté un truc assez fabuleux, vous verrez, parce que en plus de ça on le voit pas souvent dans les vidéos les chevaux. Et vous verrez que c'est assez sympa. Là, on fait du blé. Après, il faut que j'achète du matos. Mais je ne sais pas encore, vu que j'avais prévu autre chose, j'avais tout tourné, vu que je l'ai fait, donc je ne peux pas refaire. Je ne voulais pas revenir en arrière. Ça m'a bien embêté, ça. J'ai dû amener une benne pour faire de la farine. Mais vous verrez, il y a plein de trucs vraiment, vraiment sympas. Il y a eu deux ou trois changements là vers la ferme. On ira voir ça, on va finir de vider la trémie et on ira voir ça. La vidéo va durer je ne sais pas combien de temps, vu que j'ai pas grand chose à faire. Si, il y a beaucoup à faire, mais les champs sont préparés là-bas pour semer. Il faudrait qu'on sème. J'ai pas réussi à tout vider, donc ce qu'on va faire, on va couper le moteur. Et on va aller livrer ça à la fabrique pour faire de la farine, le moulin. Hop. Ce petit Fendt là, je vais peut-être le vendre. On verra ça. J'ai acheté, bien sûr, j'ai revendu. Hein. J'ai pas changé, hein, je vous rassure. Les trucs à pâte jaune, j'aime toujours pas. Mais par contre, j'ai un super masset. Vous verrez peut-être tout à l'heure, il est à la ferme. Vous le montrer. Vous voyez qu'ici, ils ont changé, il n'y a plus à construire le pont. Avant, ici, vers la ferme, il y avait une route.
le long là et il n'y a plus. Allez, on met les girons et on va les livrer ça tranquillou. Le reste, je pense que soit je vais faire un big bag pour les poules, je ne sais pas encore. J'ai le maïs plus, donc les poules, il faudra que j'aille chercher un peu des minéraux, des sacs. Tiens, on va se mettre un petit peu, voir si ça saccade pas trop. Non, ça va, ça a l'air d'aller. Le fent, là, je vais peut-être le revendre. Car il faut que j'achète quoi, on ira peut-être après avec le petit tracteur, vous verrez, ce sera la première surprise, on fera une petite visite, alors je vous montrerai pas tout, par contre on voit rien du tout avec ces écrans là, et je vous dis, le Fendt 605 là, il est vraiment fabuleux, vous verrez, on aura l'occasion de bien rigoler, vous me connaissez depuis le temps, bah oui, depuis le temps, c'est vrai que vous m'avez beaucoup manqué. Je vais essayer de rattraper mon retard. Je voulais faire deux séries, justement. Il y avait une Mac slovène qui m'intéressait. Et finalement, ben, je me suis dit non. Il y a bientôt, au mois de novembre 2025, qui va sortir. Et il y a tellement de choses à vous montrer ici. Et j'ai jamais, c'est vrai, je suis honnête, j'ai jamais fini. Parce que vu que ça a tellement évolué, la Hofbermann, j'ai vraiment jamais fini quand j'ai commencé des séries. Et je vais tâcher jusqu'au mois de novembre qu'on reste là-dessus. Dites-le moi si ça vous dérange, parce que j'ai pas vu vraiment. On sent la fin de ce FS. Hein. On sent arriver le nouveau. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne l'ai même pas commandé. Quoi. J'ai reçu de l'équipe de farming là, qui me proposait. Je suis toujours partenaire. Attendez, parce que je discute et c'est ici. Je discute. J'espère qu'il n'y a pas de voiture derrière. On dirait pas d'après. Ah, ben, juste à temps. Hein. Il y en a un, Kono, qui arrivait à fond. Il faut aller derrière. Il faut aller vider. Alors, ici, ça n'a pas vraiment changé. Alors, moi, j'aurais pas voulu les sacs. Je ne sais plus comment on fait pour avoir la famille en. On verra ça, comme je l'ai dit, peut-être qu'il faudra que je recommence tout, donc je ne vais pas m'embêter avec tout ça. Donc c'est pas le premier, parce qu'ici on vend, et c'est celui-là, la farine. Vraiment, à moins que l'autre était pour faire le rack. Mais ce sera plus simple pour aller livrer à la boulangerie. Voilà. Donc, on va vider ça, je vais ramener ça au champ, parce que le champ est immense. La paille, je vais essayer de la mettre peut-être sous le compost. Vous verrez qu'ils ont changé un peu l'astuce du compost. Et peut-être que le reste, je vais pour l'instant pas acheter de presse, parce que comme je le dis, il y aura peut-être la finale ce week-end. Donc... il faudra peut-être recommencer, à moins que pas. Je sais que c'est un pack qui change. Alors, est-ce qu'ils ont changé d'autres trucs? Vous verrez, il y a un truc là. Je vous en dis pas plus, parce qu'autrement, ça va gâcher le plaisir. Alors, peut-être que vous l'avez découvert pour ceux qui suivent l'équipe de la LSM, Andy et toute son équipe. Moi, ils m'ont envoyé un mail là. Mais j'ai dit voilà, je suis en pleine étude parce qu'il s'étonnait que je faisais plus de vidéos. Ah, ça fait du bien, une petite bière là, j'ai eu très chaud, il a fait chaud, je pense que chez vous aussi. Ici c'est la canicule, j'ai pu profiter quand même de vacances parce que j'ai eu, pour tout vous dire, deux remises de diplôme. Et vu que je ne suis pas de... Ben pour vous, les Français, c'est des départements. Chez nous, c'est des cantons. J'étais pas dans le même canton à l'école. Donc, j'ai eu, on va dire, un peu... une remise avec les copains, tout ça, d'école. Et puis, j'ai eu un prix Heidelberg. C'est une marque de machines numériques et puis d'offset. Le prix. Été quand même, mais là j'ai pas reçu mon diplôme. Mon diplôme, c'était mon département, mon canton, comme on appelle ça ici. Oups, il y a eu un petit. Je me méfie parce que c'est pas comme que OBS me refasse la même chose. J'espère que le son est bon,
que vous entendez bien le son du jeu, ma voix. Voilà, regardez, on est pas mal. On va se remettre là au bord, tranquillou. Je pense que quand j'aurai fini ce champ, ce tracteur, il sera vendu. Écoutez, on va aller à la ferme, tranquillou, là. Vous montrer un peu. Alors, j'ai pas d'animaux à part les poules. On va aller les voir. Je vais pas tout vous montrer, faire une présentation de map. Vous voyez que c'est ici. Avant, c'était une route ici. Maintenant, c'est un petit chemin campagnal. Et pourquoi je ne veux pas acheter de presse? Parce que vous voyez, on a toujours un stock. Alors, je ne sais pas si j'ai des stocks. Bon, ça, j'ai. Mais est-ce que j'ai du foin? Faudra peut-être. De toute façon, j'ai un champ. Voilà, voilà. Regardez. Hein? Alors, donc, là, il y a mon semoir. Bien sûr, il y a la remorque, l'épandeur. Et regardez ce masset magnifique. Il est vraiment... c'est un UTS, hein. Avec une jolie masse massée, hein, vous me connaissez, bien sûr, il a lissé, hop, il y a tous les bruits, hop, on va monter, on peut, regarder, je vais l'allumer ici, hop, c'est magnifique, il fait un bruit magnifique, regardez, c'est tout allumé, ici, vous savez ce que c'est, regardez, c'est bien marqué, radio, hop, voilà, on peut changer les chaînes. Alors, je vais peut-être pas laisser trop longtemps parce qu'à cause, voilà. Autrement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas énormément à part les vitres, ouais, voilà. Et vu qu'il fait chaud, hop, on va se boire une petite bière. Pardon, c'était involontaire ça. Vous voyez, il y a l'effort, on va le couper parce que ça fait du bruit. Oups, on va descendre, il est vraiment magnifique. Vous le trouvez sur le site de l'équipe LSM. Hop. Alors, oui, normalement il doit être libre. Donc ici, ça n'a pas changé. À part, parce que vu qu'il y a des produits nouveaux. Hop. On va prendre la porte. Ici, il y a toujours le, hop, le frigo. Normalement, maintenant, il doit tout prendre. Normalement. Hein? Ici. Ah, je suis un peu gros. Hop. Non, on peut pas. Bon. Allez, on va le fermer. Hop. Ah, c'est peut-être ici. Voilà. Le stock est vide. Oui, bah oui. Donc on peut mettre, hop, arrête de sauter comme ça, hop, on va le fermer, il fait chaud, ici on va refermer, bah ici, hein, là, c'est la stabule, avec le truc à lait là, ils ont toujours pas plus d'espace, c'est ça qui est, mais vu qu'il y a un pâturage, un peu plus loin, ici, bah, ça n'a pas beaucoup changé, hein. À part certains trucs, mais là derrière non plus. Ici, il y a toujours, vous voyez ici, il y a mon comment ça, ma charrue. Et ici, je mets ça. Plante entière. Oh, je ne sais pas. Il faudra tester la paille. Si normalement vers le compost qui est de l'autre côté. Par contre, si je, ici, bien. J'ai traité, j'ai labouré. Vous voyez que le pH est bon. Il manquera peut-être un peu d'azote. On verra. Si on regarde, hop, petit enregistrement. Donc, on est ici. Et normalement, donc tout ça, ça m'appartient. Il y a les lapins. Ici, ben, il y a, comme d'habitude, la bière, tout ça. Il y a les jardins et il y a des nouveautés parce qu'il y a des places. Je vous dis pas ce que c'est pour ceux qui savent, vous saurez de quoi je parle. Par contre, je sais plus parce que, vu depuis que lundi, quoi, puis jeudi passé, j'avais tourné tout ça et ça a planté. Ah, c'est ici, ok. Donc, on va aller ici. Hop.
Et ici, c'est nouveau. Hop. Et c'est à moi. C'est les pommiers. Donc c'est une nouvelle. Normalement, vous voyez, on est la ferme est là-bas. On est juste ici en haut. Et on va venir traiter ça. Hein, parce qu'ici, ben, il faut justement arroser. Il faudra voir ce qu'il faut mettre. Et vous avez le petit cabanon ici. Hop, qui est vraiment magnifique. Parce que vous en pensez. Hop. Et on a les pressoirs pour faire le jus. On verra ça, comment il faut faire ça. J'ai vu une vidéo, mais je ne sais plus dans quoi on vit de ça. Donc, il faut qu'on achète... ben non, pas, on ne va pas acheter le petit tracteur, mais il faut la cuve à eau. Donc, on va faire ça. Et normalement, c'est ici. Hop. Et il faut... voyez, c'est tout des trucs d'équipement qu'ils ont modifiés. Donc c'est celui-là, et si on va là, on a plusieurs choix. Hop, normalement, voilà. Moi, je vais le prendre comme ça, et moi, j'ai envie de, qu'il soit bleu. Comme ça, on sait que c'est de l'eau. On met le petit tuyau, vous allez voir pourquoi. 4000, alors j'ai un gros crédit. Hop, ça c'est fait. Juste voir quelque chose, les amis. C'est une boule. Alors, est-ce que je peux aller la chercher avec la Jeep? Mais normalement, je dois avoir mon tracteur. Si je trouve, regardons les actions, il n'y a rien qui m'intéresse. De toute façon, on va. Voilà. Normalement, c'est pas ça que je vois. On doit avoir un petit tracteur. Un petit tracteur, normalement. Où c'est que c'est? Je ne sais. Ah, c'est peut-être ici. Voilà. On a le Landini, mais peut-être que je vais le changer. Faut juste savoir où il est, ce Landini. Hop, ça c'est la voiture. Voilà. Normalement, il est à la ferme. Hop, on va l'ouvrir. Et on va aller chercher. Alors, peut-être tout ça, je vais changer. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, vu que ce week-end, on n'en est pas là, mais... ça va peut-être arriver le final. Et j'ai vu qu'ils ont juste changé encore un truc. Hop, on va aller. Alors, je sais pas si je vais changer le Landini. J'ai envie de prendre un autre petit tracteur comme ça qui ira très bien. Je ne sais pas encore. On verra. Moi, il faudra que je finisse ce champ de mon côté parce qu'il faudra le semer, déjà ramasser la paille. Et comme je l'ai dit, essayer de la mettre pour faire du compost. Hein, ça sera des économies hein, pour traiter et puis mettre de l'engrais sur les champs. On verra, on verra. Et plus tard, on ira acheter ce qu'il faut pour l'autre surprise. Mais ça, ça sera dans une autre vidéo, les amis. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Pour tous ceux qui seraient désabonnés, dire le Valaisan, il est parti, il est plus là. Eh ben si, il est de retour cette fois-ci. Ça m'a beaucoup manqué. Hein. J'avais essayé, j'ai joué deux ou trois fois pour un peu changer. Parce que je peux vous dire que quand vous étudiez, ben voilà, vous avez que ça, vous avez que dans la tête, le travail, les études. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Voilà. Alors, j'espère que j'ai la bouboule. Hein. Alors, j'en ai, moi. Le tracteur, je sais pas. Il en a peut-être qu'une, moi. Je suis mieux que lui, parce que j'en ai deux. Oups. Et il faudra remplir ça à la ferme. Alors, je vais reculer et on va voir s'il y a la bouboule. Autrement, ça fait rien, vu que j'en ai deux. Je croche à les miennes. Hop, on va aller voir ça. Ah, il a la bouboule. Bon, bon ça va. Bon, est-ce qu'il faut mettre un... Non. Il n'y a pas besoin de mettre de câble. Ok. On va aller remplir ça à la ferme. Et on va... Je ferai un peu plus long. J'espère que par après... ça va bien passer, pas comme vendredi ni comme samedi, puis que je me suis tellement énervé, puis à force de trafiquer
ben, j'ai perdu la vidéo. Faut se dire que maintenant, sur cet ordi, je ne fais plus les miniatures ici, je fais sur mon autre ordi. Donc ça prend un peu plus de temps. Mais j'espère que ça passera cette fois-ci. Alors n'hésitez pas, hein, je vais profiter maintenant aussi de revenir, d'aller revoir un peu les lives de mes petits en premier et de tous ceux que je connais. Par la suite, on reprendra le fil. Pour l'instant, je vais me tenir à cette vidéo aujourd'hui. J'en ferai une autre dans la semaine. Il faut dire, je travaille aussi la journée. Et des fois, le soir, j'ai une vie privée. Avant, j'avais la vie privée plus les cours à étudier. Donc, c'était compliqué. Hein, je m'en excuse encore. On va passer par là. Allez. Ce qui est bien, cette remorque, je pense que je peux la prendre avec le 4x4. Oups. Moi, je trouve pas mal qu'ils ont fait ce chemin. Je trouve plus joli ce chemin ici. Allez, on va aller là-bas. J'ai pas tout oublié. Je sais où est l'eau. Par contre, je me réjouis. Hein. Comme vous savez, il y a la tannerie. J'ai jamais fait de la bière là aussi. J'ai envie. C'est pour ça que je suis venu. Et puis, je me dis, ça change un peu. Les autres séries, il y a une autre map qui m'aurait plu, mais elle n'est pas sortie encore. Et puis bon, ici il y a quand même pas mal de choses. Alors, il faut que je me rappelle, que je me remette dans le bain. Est-ce qu'il faut ouvrir quelque chose? Ah ouais, je pense qu'au début, il y en a deux ou trois qui vont rigoler parce que vous allez dire le Valaisan, il a perdu la main. Descendre. Est-ce qu'il faut acheter un tuyau? Ah, monter. Hop. Ouais. Vous voyez ce que c'est, comment ça se passe? Mais moi, je veux pas monter là, je veux prendre de l'eau. Alors oui, on va se mettre en vue extérieure. Je suis peut-être pas bien positionné. Parce que normalement, il doit remplir l'eau, mais est-ce qu'il faut ouvrir quelque chose? Ça, non. Je règle les touches aussi. Hop. Ouais, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'il y a ce moteur-là à allumer? Peut-être aller voir une vidéo. Monter. Non, je ne vais pas monter parce que je me mets à l'arrière. Afficher. Non, il doit être rempli. Oui, ça, je sais qu'il doit être rempli. Hein. Alors, est-ce qu'il faut prendre un tuyau? Je pense pas. J'ai mal vu la vidéo de Andy. Alors, est-ce que depuis ici... c'est juste ça. Fallait appuyer sur le bouton, mais je pensais que... Ah, c'est peut-être parce que j'ai pris l'option tuyau comme ça. Autant pour moi, ça se remplit. On va aller faire ça, les amis. Je vais peut-être enlever ça. Alors, c'est vrai que j'avais fait plusieurs choses dans l'autre vidéo, mais là, j'en suis désolé. Ça m'apprendra ça. Mais je suis content. Voilà. C'est vrai que ça me manquait énormément. Et j'ai le plaisir de revenir sur cette map. Comme ça. Hein. Finalement, il n'est pas si mal que ça, ce petit Lambini pour l'instant. Et les pommiers, ils sont en face. Alors, j'aurais dû passer là-bas. C'est pas grave. On va aller arroser deux ou trois pommiers. On se quittera là, les amis. Je pense qu'il y aura un autre épisode pour qu'on sème ici. Alors, j'ai pas acheté de cultivateur parce que vu que le semoir, il fait direct.
voyez ici, là aussi ça a changé, je le remarque maintenant. Vous voyez, il n'y a plus la route. Vous vous rappelez, il y avait une route qui venait depuis là-bas. Là où, je ne sais pas, j'irai voir. Normalement, il doit peut-être toujours avoir le pâturage. Donc, je vais enlever les gyros. C'est vrai qu'il y en a qui... j'ai pas l'air qu'il y ait le pâturage là-bas. Faut que j'aille voir. J'irai voir ça. Il y en a beaucoup, comme mon petit Vincent qui disait, c'est la Talbar qui est mieux, qui est tiré de ce modèle. Alors, je sais pas, je sais pas si vous entendez ce bip, mais là il vient de me faire comme jeudi passé. J'espère que le son m'entendait bien. Voilà, tac, on va arroser quelques pommiers. Alors, je sais pas comment il faut se placer. J'ai vu dans la vidéo de Andy, normalement il faut se mettre là. Ah, c'était ici, j'ai vu des choses. J'ai vu quelque chose avant. On écrase un peu tout, mais c'est pas grave. Alors normalement je dois descendre, hein, ça c'est vrai. On va voir ça. Normalement, il faut laisser le moteur. Et il faut monter ici. Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Oui. Alors, je suis peut-être pas à la bonne place. J'ai vu avant qu'il y avait le truc haut. Où c'est que c'est? Alors, moi, il faut être plus au bord. Ah, il faut que j'apprenne, hein. Ça fait tellement longtemps. Puis bon, j'ai quand même suivi des vidéos. C'est pas croyable ça. Attendez, on va aller voir à l'autre là. Ah, c'était ici. Là. Tac. Et normalement, si je monte cette fois-ci, je peux faire ça. Voilà. Non, je fais pas pipi, j'arrose l'arbre. Mais je trouve génial. Il fallait y penser. Et la dernière vidéo que je viens de voir, c'est bon. Est-ce qu'il y a une indication ici? 119, pomme en cours. Je ne sais pas, on regardera après, juste avant de se quitter. Hop, on va aller à l'autre. Là, tac. Ah, j'ai pris le coup, c'est bon les amis. C'est tout bon. Moi je trouve l'animation, c'est pas mal. C'est pas mal, vous avez bien sûr l'option, vous avez vu avant que j'ai acheté l'armor, on peut prendre qu'on passe à côté si ça vous embête de chaque fois descendre. Il y a l'autre option. Je vais juste aller arroser. Ah, il y a une pomme. Ben, j'espère qu'il produit plus que ça. Hein, parce qu'il faudra acheter des paniers. Je vais juste aller arroser celui-là. On va enlever ça. Hop. Alors, est-ce que je peux arroser depuis ce côté? Il est dur à trouver celui-là. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'on peut aller dans ce sens? Non. On va essayer dans l'autre sens et après on se quittera. Ça veut quand même. Ah, ah, bah, il est... ah non, c'est peut-être l'autre d'en bas qui était affiché. Je voudrais bien. Ah, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là. C'est bon. Mais bon, arrête-toi. Hop, moi je trouve assez génial. Quoi. Peut-être que d'autres personnes ça gêne parce qu'il faut descendre. Ta, 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 ta. Mais non, moi j'aime bien. Et vous verrez, il y a d'autres animations. Bon, vous l'avez vu, c'est clair, les poulets. Mais il a augmenté la chose. Et je trouve vraiment, vraiment fabuleux. C'est quand on voit les choses qu'il peut faire. Vous allez voir les poulets, c'est vraiment magnifique. On va passer par en bas. Je me réjouis de faire du jus, mais il faudra que je regarde la vidéo de nouveau de Andy pour savoir dans quoi il vide. Alors, est-ce que c'est ici? Est-ce que ça va arroser? Tac, tac, tac. Ah, ça arrose celui d'en bas. D'accord, il faut être un peu plus haut pour l'autre, de l'autre côté. Bon, bah écoutez les amis. Hop, on va
s'arrêter là. Hein. Je sais que j'ai pas montré beaucoup de choses. Hop, je vais couper peut-être le moteur. Par la suite, oh, je ne sais pas. Je vais déjà voir si celle-là, j'ai pas les mêmes problèmes que vendredi et samedi pour la passer. J'espère que le son est bon. J'espère ne pas m'arracher les cheveux. Et normalement, si tout va bien, vu que jeudi, c'est la fête nationale. Comme vous, les 14 juillet, nous, c'est le 1er août, la fête nationale chez moi. Et je fais le pont. J'ai congé vendredi. Bon, je pense que peut-être pour la fête nationale, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo. C'était assez génial. Je ne sais pas si j'aurai le temps de refaire ça. Je bosse quand même encore demain et après-demain. Surtout que maintenant, passé responsable du PAO et en plus, les après-midi, je suis tout seul au bureau. Donc voilà. On va continuer ça. On verra si... J'espère que j'ai pas besoin de tout recommencer. C'est pour ça que je veux pas trop pousser. J'aurais peut-être dû attendre, mais il fallait absolument que je sois sur cette map avec les nouveautés qu'il y a. On va retourner juste à la ferme. Hop, j'étais là. Juste, elle fera un peu plus long, c'est pas grave. Vous montrer que les poulettes, elles vont bien. Alors, j'ai pas racheté encore des petits canetons, des petits poussins, mais il y a plein de choses à faire. J'ai pas pris encore les lapins. Je sais même pas, est-ce que j'aurai 2 ou 3 sacs d'engrais? Non. Et vous voyez, ici, c'est une machine. Vous verrez à quoi elle sert plus tard. Parce que il y a plein de choses et les poulettes elles sont là. Je ne sais même plus si j'aurais les donné à boire normalement. Oui, oui, elles ont tout. Est-ce qu'elles m'ont commencé à me faire des œufs? Hop. Prends-toi la porte dans la gueule. Il n'y a rien. Oh, je ne sais même pas si c'est ici les œufs, je ne me rappelle plus. Enfin bref. Allez, on va refermer. J'ai dit refermer. Hop. Pourquoi tu ne veux pas te refermer? Ah. Voilà. J'ai mon petit sac là, regardez, elles sont bien, elles sont à l'ombre, elles ont pas chaud, j'ai de la paille là, si jamais, la santé, elle est à zéro, elles vont faire du fumier, tiens, ça c'est nouveau, et il y avait une nouveauté là que je voulais vous montrer, je vous dirai plus tard, c'est avec les brouettes, vous verrez, les brouettes et tout ce qu'ils ont rajouté en plus. Et ils sont basés vraiment sur les chevaux que vous allez découvrir tout au long de cette terrible. Je vous ai même pas dit le nom. Hein? Et puis personne me dit rien. Je ne sais pas encore. Non, non, mais ça sera sûrement... Je vais rester sur la ferme de l'ours. Ou l'ours Berman, je sais pas. On verra. Là-bas, je vais aller voir si elle est là. Hein, parce que c'est ouvert. Regardez. Ça, c'est la petite copine. Je l'ai engagée. Elle dort à la ferme, on verra plus tard. Hein? Bon, elle n'a rien à vendre, mais on verra plus tard. Bon, moi, je vais vous souhaiter un bon début de semaine, les amis. Encore désolé que cette vidéo devait sortir vendredi, même samedi. J'en suis désolé encore, mais en tout cas, ça me fait énormément plaisir de retrouver ma famille. J'espère qu'ils regarderont la vidéo. Je prendrai le temps de revenir. Il y a plein de gens que je connais et qui m'ont manqué, comme les fracassés, les Roms, mon terrible, mon petit Vince, mon Eddy. Il y a mon Gifit, mon Jérémy, qui m'a félicité. En tout cas, merci encore pour tous vos messages. Et on se retrouve très vite, sûrement mercredi ou jeudi. Voilà, je vais vous dire, ah, ça me manquait ça, tout de bon, et bien à vous, allez, bye bye.